Je trouve que ça fait longtemps, trop longtemps, qu'on n'a pas entendu parler du collectif Roundup Non Merci. Ça fait au moins une semaine. Et c'est vrai que samedi dernier, ils sont intervenus de nouveau dans un magasin. C'était cette fois chez Villemorin, en plein centre de Paris. Leur action, toujours non violente, a eu son petit effet. Les militants seront prochainement reçus par le propriétaire de Villemorin, le géant de la semence OGM, Limagrain. C'est dans le magasin Villemorin, situé sur les quais de Seine, en plein centre de Paris, que le collectif Roundup Non Merci a choisi de mener une action non violente pour informer les clients et exiger auprès de la direction le retrait des produits toxiques à base de glyphosate en vente dans ce magasin. Pour l'instant, nous avons déjà réalisé une dizaine d'actions contre le Roundup et contre la vente de glyphosate dans diverses enseignes, notamment du magasin Auchan de Bagnolet. À savoir qu'Auchan s'est engagé à retirer le Roundup de toutes ses enseignes, de tous ses magasins en France. On a obtenu également le retrait du magasin Castorama rue des Flandres. Après avoir vidé le linéaire de ces produits, les militants s'opposent à leur remise en rayon. Les pesticides sont reconnus par les autorités publiques et également par le monde scientifique comme ayant des effets très négatifs sur la santé humaine et également sur l'environnement. Donc en tant que citoyenne, je me sens concernée tout simplement par ces produits. Je suis plutôt contente de voir qu'il y a des gens qui se mobilisent pour dénoncer ces produits qui sont hyper toxiques, qui détruisent notre planète, qui vont à terme nous condamner à ne plus vivre de rien, quoi, avoir détruit toute notre agriculture, tout ce qui fait qu'on est des êtres vivants qui se nourrissons d'autres êtres vivants. Bah, à la ville de Paris, on n'utilise plus aucun traitement phytosanitaire au sein des parcs et jardins. Et alors vous faites comment ? Désherbage, donc ça veut dire plus d'heures de binage, de désherbage, etc. Ça sollicite un peu plus physiquement, mais bon, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est dire adieu aux phyto et puis promettre autre chose, je pense, aux générations futures, quoi. La caissière, qui est juste derrière, m'a dit, de toute façon, en 2017, on n'aura plus le droit de les vendre. Donc en fait, ils le savent qu'ils n'auront plus le droit de les vendre d'ici 2 ans, mais nous, on voudrait gagner un peu de temps pour que la planète se dérive un peu moins vite. Non, vous avez raison, hein. C'est sûr que ça leur fait baisser le chiffre d'affaires, mais bon. On a eu la chance, la police est venue, ce qui nous a permis d'avoir rendez-vous. C'est bien en tout cas, bravo. Le responsable du magasin qui est là aujourd'hui nous a dit qu'il nous présenterait le grand patron, le grand responsable du moins du magasin, et nous pourrons alors lui poser directement nos questions pour savoir ce qu'il envisage de faire pour retirer ces produits qui contiennent du glyphosate de ses rayons, s'il attend que la loi lui impose ou s'il va prendre conscience avant que moralement c'est dangereux et c'est absurde de vendre des produits aussi toxiques. Donc, on a rendez-vous lundi matin à 10h, c'est super.